Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver dans une nouvelle destination. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais parlé sur Instagram d'une destination surprise. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram depuis longtemps, ou si vous me suivez tout court, mais je vais vous expliquer en quelques secondes. Je suis envoyé par Oppo dans une destination que je ne connaissais pas, que j'ai découvert aujourd'hui, plus ou moins, parce qu'il y a eu pas mal d'indices. En tout cas, je suis bien arrivé à l'hôtel. C'est une destination qui a l'air vraiment très cool. J'espère qu'on va pouvoir faire des images pendant ce séjour. Ça va dépendre de la météo, ça va dépendre aussi des délais qui sont très courts. Je vais vous montrer l'hôtel dans lequel je viens d'arriver, parce que croyez-moi qu'il y a moyen de faire des belles images rien qu'ici. Et ce qui est cool aussi, c'est que je suis en compagnie de deux créateurs. Et j'ai déjà hâte de les retrouver les deux pour faire des images ensemble. J'espère que ça va être cool. En tout cas, j'espère que vous êtes motivés, parce que moi, je suis chaud. Il y a moyen que ce soit un séjour rempli d'images. Ok, bon, vous avez vu, c'est quand même assez ouf. Donc là, je termine ma vidéo YouTube, parce qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il faut que je publie une vidéo YouTube depuis plusieurs jours. Je suis carrément à la bourre, donc je finis ça. Je vais me commander, je pense. Il y a des dégustations là qui se font à la carte entre 14 et 19 heures qui me font vraiment envie. Je pense que je vais craquer. Je vais me faire une petite commande histoire de finir de travailler tranquillement. Et puis je vais rejoindre les autres créateurs pour commencer officiellement le trip de création d'images. Chelou. Là on est en mode t'appelles, t'es servi direct, on est vraiment chouchouté, ils nous mettent vraiment bien. Donc ça fait bizarre mais en vrai c'est cool, c'est quand même un confort. On cherche quoi au fait? Ah oui. Là on est rue en sardine. Hein. Bon alors je vous explique. Là on est au Leclerc. On vient d'aller. On fait quelques courses déjà pour le goûter de demain. Mais on vient surtout parce qu'avec Julien on a oublié de prendre des maillots de bain. Alors bien entendu on a trouvé des jolis boxers de bain très près du corps. Mais on a une très belle surprise pour Julien parce qu'on lui a pris un joli slip bon moulbit XXL. Il y a moins que ça marin. On a hâte. On a eu une très très bonne idée. C'est le temps que ça soit. Julien, ça arrive. Oh, c'est beau. Attends, montre quand même. Ça, c'est beau. Et ça, j'espère que ça va pendre. C'est sûr. Surtout là derrière. Surtout là derrière. Nous avons profité du trajet retour pour découvrir les lieux et repérer quelques spots qui pourraient être intéressants pour la suite du séjour. Malgré une météo plutôt timide, nous avons su savourer la beauté des lieux avant de rentrer à l'hôtel et se reposer. Pour préparer la grosse journée du lendemain qui commencera très tôt. Do you see me standing here? I got nothing
Anaïs, qui est en charge de notre emploi du temps, nous a réservé quelques surprises. Et je peux vous dire qu'on commence très fort. Le séjour commence vraiment très très fort. Pourquoi ? Parce que regardez, j'ai un gilet jaune sur moi. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Franchement, j'ai halluciné. On va faire un trip en ULM d'une demi-heure chacun. Et je suis un peu comme ça. Parce qu'on dirait que c'est vraiment un coucou les trucs. Donc à tour de rôle, ça va, on va commencer par Julien. Oui, bonsoir Nicolas Lafaille. Bonsoir. Quelle est la dose de excitation / stress ? Sacré adrénaline. Je commence à avoir le culotte qui tremble là. Mais c'est marrant, mais t'as une tache là mon gars. Ouais. T'es chié dessus? Non, pas encore. Mais je risque d'agrandir la tâche. Bien entendu, je prends ces choses à la rigolade. Mais vous comprenez vite que je ne suis pas vraiment rassuré. Tu stresses ou pas? Un peu. Bon, en tout cas, couvre-toi parce qu'il fait chaud là-haut. Il y a un peu de vent. Mais tu vois, ça va être hyper stylé, tu vas kiffer. Et après Nico, ce sera qui? Soit Claire, s'il marche encore, c'est... Alors, Claire ou David, vous voilà. Montez pas dedans si j'ai pas mis d'essence tout à l'heure. Quoi ? Donc vous me rappelez ? Non, là on en a, mais tout à l'heure, faut vous en mettre. Capuche rentrée pour éviter les risques d'accident, lunettes sur le nez, gentiment prêtées par Anaïs pour une petite touche féminine, et c'est parti. Je m'apprête clairement à sortir de ma zone de confort. Papa-maman, sachez que je vous aime. Et si je reviens pas, sachant qu'il y a une chance sur deux apparemment, profitez bien du van pour moi. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais sachez que je suis quelqu'un qui de base n'aime pas prendre l'avion. Et là clairement, je repousse mes limites. J'ai même envie de vous confier que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce qui m'effraie finalement, ce n'est pas de voler à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. C'est de perdre le contrôle, se livrer entièrement, et renoncer à l'idée de pouvoir faire des choix et changer les choses. C'est peut-être le destin qui en veut ainsi. Chaque jour est fait pour apprendre, et je me dis que ce n'est pas en se contentant de faire ce que l'on a l'habitude de faire que l'on évolue. Je pense qu'il faut parfois laisser les choses se passer sans chercher à les contrôler.
vous dire, je me suis rarement senti aussi vulnérable. Et quelque part, c'est un des meilleurs moyens de se sentir vivant. Bon, je sors de l'ULM. Franchement, expérience de ouf. Mais pour vous dire la vérité, parce que j'ai fait le mec en sortant, je me suis chié dessus. Vraiment. Au début, j'ai volé une demi-heure. Je pense que j'ai mis 15 minutes à être bien. On a chopé les turbulences comme par hasard avec moi. Je faisais un peu le mec. Je disais, ouais, je suis un peu stressé, ceci, cela. Et comme par hasard, c'est tombé sur moi, turbulence. Donc j'allais un peu chier. Mais en vrai, c'était vraiment cool. Comme vous avez pu voir dans les images, j'ai vraiment kiffé. C'est drôle, mais il y a des choses comme ça que nous ne ferions jamais de nous-mêmes et que nous ne ferons probablement jamais deux fois et qui pourtant nous apportent parfois davantage que ce que l'on convoite tant. Au final, tout ne se prémédite pas et c'est ça qui est bon. Pour continuer la journée, on a pris la route vers le domaine Chasson pour une visite des lieux. Pour en apprendre davantage sur l'histoire qui se cache derrière un verre de vin et déguster quelques verres pour le plaisir et la sensibilité du palais. Mais sans trop abuser avant l'heure du déjeuner. Ok Nico, après 12 verres, comment tu te sens? Je vais mourir. La pause pique-nique du jour, pleine nature. Enchanté. Alors pour vous ce midi, un ensemble de... Qu'y a-t-il au menu, monsieur Fabron? Venez voir, je vais vous indiquer. Ah. Oh. Oh, ça c'est bon mon gars. De belles surprises là. Le fromage. Ça, c'est...
Bon, nous en sommes au cœur de cette vidéo, du pourquoi je suis ici. C'est pour créer des photos avec le nouveau Oppo Find X3 Pro, qui est une pure merveille pour les photos. Je ne vais pas vous citer toutes ces caractéristiques, je vais vous montrer tout simplement des clichés qu'on va pouvoir réaliser tout au long du séjour. Et notamment, on avait misé beaucoup sur le Colorado provincial pour créer ces photos-là, tout simplement parce qu'il y a des terres qui sont de couleur rouge. Il y a des couleurs vraiment très bien pour faire détacher les sujets. C'est aussi pour ça que je m'étais acheté. Voilà. Et de base, c'était pas prévu, mais je suis aussi venu pour voir des choses comme ça. Ah. Excusez-moi, qui vous êtes? Excellent. À bientôt. Oui, nickel. Ça comme ça. Bouge plus Anaïs. Donc là, moi, j'ai embauché une filmmaker, cadreuse. Oui. Ouais. Ça s'appelle Anaïs. Merci. C'est gratos. Voilà. J'ai fait. C'est gratos. Ouais. Ah, mais tu vas le tenir. Ouais. Enfin, il y a une durée quand même sur la gratuité. Hein. On vient de se faire un gros champ de coquelicots, comme vous pouvez le voir, tout autour de moi. J'ai au passage ruiné mon pull Nike tout neuf. Donc je mise sur les talons de ma grand-mère pour faire partir tout ça. En tout cas, on est trop content parce que cette étendue de fleurs rouges mélangées avec des fleurs jaunes, toute cette vaste étendue de couleurs, c'est un pur régal. On est presque arrivé trop tard, mais je pense qu'on a pu faire quelques photos sympas. Enchanté, bonsoir. Alors c'était compliqué parce que le champ rend super bien. On est arrivé en fait pendant la golden hour, donc il y avait un mix ombre-lumière. Finalement la lumière rendait
pas si bien que ça. Ouais. Et là, à l'ombre, c'est là où on voit vraiment les couleurs. Bien content, tu vois, du spot. Ouais, ouais, on a privilégié le téléphone. On a fait vidéo, photo. On a fait des petits trucs top shot et tout, c'était pas mal. Enfin, c'est, ça devrait être pas mal, on va voir en post-prod. Et puis, on va voir parce que c'est vrai qu'on sait pas ce qu'on a. On sait pas, c'est pas trop ce qu'on a, à part des tâches. À part des tâches. Et voilà, j'aurais bien fait du drone quand même. Franchement, ça aurait pu être pas mal du. Tu peux, hein. Du rasin, mais après, il y a plus trop de lumière. Donc. Bon, on verra. On va rentrer. Je pense qu'on va boire un cocktail et puis penser à ce qu'on va faire dans les prochaines heures. Je pense aussi. Parce qu'on va sûrement sortir la nuit, on va sûrement faire le sunrise. Donc, j'estime notre durée de dodo à. Oh, regarde. 3 heures. C'est beau. C'est beau. Des oiseaux. Julien avait vu juste. Couché à 1h du matin, après un excellent repas tous ensemble, nous nous sommes difficilement levés à 4h pour aller faire des photos de nuit et du lever de soleil. Bon, on a une belle idée de merde avec Julien. On va essayer d'aller rattraper un peu le séjour, d'aller compenser, faire des images de nuit et du lever, parce qu'on n'est pas satisfait. Mais là, franchement, c'est dur. Bonsoir. On va se coucher ou pas? Je vais mettre un peu de lumière, comment ça va? Bon, on avait dit rendez-vous 4h15, il est 4h37 là mon gars, il va falloir se dépêcher. Ok. T'es prêt? Allez. Je suis pas chaud du tout mais. Non plus. Go. C'est parti. Allez. Allez go. Spot qu'on a visité hier et je vais essayer de faire ma photo ici parce que là on a le soleil qui se lève dans quelques minutes, les couleurs sont pas ouf mais c'est quand même joli, il y a une jolie vue, on a une vue dégagée à l'horizon, donc je vais voir si je peux faire quelque chose et on mise beaucoup là-dessus parce qu'on n'a pas d'autre opportunité pour créer une photo colorée, donc dernière chance du séjour pour une photo peut-être sympa. Bon, ça y est, on a notre shot. Je crois que j'ai la photo qu'il nous fallait. C'était pas foufou, mais on a réussi. Franchement. Mon gars, dans les starting blocks pour aller dans mon lit. Chez Colin Macré. Bon, c'était pas foufou. A priori, on a réussi à avoir nos shots. Et franchement, il faut savoir qu'on est resté même pas 2 jours. On avait l'objectif de créer des photos en l'espace de moins de 2 jours, des photos créatives. C'était pas facile, au planning très chargé, mais je pense qu'on a ce qu'il faut. Bah, c'est quand même hyper sport en fait. Tu sais que tu veux créer du contenu, tu dois créer du contenu et en un jour et demi, tu vois, c'est quand même speed. Ouais. Un seul sunset, un seul sunrise. Puis ils étaient ça pas fous. Laisse pas de fenêtres hyper créatives quoi. Donc, ouais. Tu connais pas les spots, tu connais pas les conditions. Faut s'adapter direct. Franchement, c'est très dur, mais y a moyen qu'on ait quelque chose en post-prod. Ouais. Et tu vois, ce qui est beau, c'est qu'on arrive quand même toujours à se démerder. Et même si c'est fait dans le speed et dans l'urgence, on arrive toujours à avoir
des moods un peu cool, tu vois. Soit en termes de pose, soit en termes de mood, soit en termes de couleur. Donc c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Et au pire des cas, on aura rigolé. Surtout quand tu l'as dit. Je tiens particulièrement à remercier Oppo qui a sponsorisé cette vidéo. Mais pas seulement. Car ils sont allés bien au-delà en nous faisant vivre une expérience unique qui a été menée à merveille par Anaïs. Un moment de partage qui était clairement le bienvenu pendant cette période difficile que nous vivons tous. Énorme. Bon bah voilà, Nico est parti. Il ne reviendra pas. Donc un petit message pour sa famille. Tout ce qui lui appartenait me reviendra, puisque bah, j'étais le dernier ami à être présent à ses côtés. Donc je pense qu'on pourra faire une répartition. Je prends le van et vous prenez le reste. Enfin, je prends aussi le boîtier et tout sera là. Bref. Adieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié de faire partie de l'aventure. Je vous invite à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao.